On comprend rien. Même moi, je vous avoue, je comprends pas. Ah, mais c'est... Non, d'accord. Alors apparemment ça joue, hein, c'est parti, c'est Shiraz. Sauf que vous voyez Navos, mais en fait c'est pas Navos, parce qu'il s'avère que c'est Shiraz et que Shiraz est chez Navos. Donc du coup, c'est la confusion la plus totale même pour moi. Je ne comprends plus rien. Je sais que c'est Shiraz qui joue. J'ai envie de dire ça me casse les couilles. Apparemment ça lag pas, donc c'est parti. Finalement les compositions côté PHX. Et pourquoi je crie, je ne sais pas, parce que je veux exprimer ma rage, peut-être. Les compositions côté PHX, donc ce sera Navos et Shiraz sous le compte de Navos, et ben, moi, du coup, voilà. Et en face, on a donc Kampai qui joue Fang, et Flash D qui joue Ken, et je ne sais plus qui, j'ai oublié son nom, qui joue je ne sais plus quel perso. Les défis malgaches, c'est ça, c'est les ambiances à l'ancienne, hein, c'est les ambiances... on fait les défis 3v3 sur une borne. Après tout, c'est un peu ça aussi, les trucs à l'ancienne. Donc pour l'instant, là c'est parti, 0-0, on recommence depuis le début. Et Shira, cette espèce de gros sac, qui perd le premier set. Donc il y a un moment donné, moi je sais plus quoi faire. Est-ce que Shira a l'habitude de jouer Fang, je sais, de jouer contre des Fang, je sais pas. Est-ce que Shira a trouvé son perso avec Ryu, je sais pas. Bon, en attendant, ce dragon passe dans le vent. Et ses balayettes dans la garde, et voilà, il y a un moment donné, c'est plus rose quoi. C'est plus rose. En tout cas, une chose est sûre, c'est que le défi a enfin démarré avec 28 minutes de retard. Finalement, on est passé du 4v4 à un 3v3. On est passé de 3 joueurs corrects à 2 joueurs qui jouent sur la même console. Mais finalement, tout va bien se passer, je vous rassure. Jusqu'à la prochaine merde, tout devrait bien aller. Allez, en attendant, bien joué, ça se. Kampai qui a l'air de bien gérer, Ryu. Oh oui, dash, 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 shop, hein, évidemment. Bien joué, ça se fait V-reversal pour se barrer. Saut HK de la part de Shiraz. Le petit décalage, chop, chop encore. Ça y est, le Mokobinis malage, chop, Mithy. Ouais, voilà, Mithy, Mithy, arrière MP, MP. Finalement, là, les. Oh là là, il crame tout, c'est barré, c'est. Voilà, c'est puni, bien joué, bah MP boule. Alors, est-ce que Shiraz va l'emporter? Ouais, pourquoi pas, sur la petite décalage, chop. Finalement, ça décale des chops. Il y a un moment donné, il a mangé toutes les chops. Là, des chops, on ne répétera jamais assez. Mais c'est de l'high punch plus l'high kick. Allez, balle de premier point. Hein, je rappelle que c'est en 3-7 gagnant. Hein, donc, à mon avis, à ce rythme-là, à 23h, on est encore là, les gars. Mais on va y arriver. Le plus important, c'est qu'on y arrive. Gros combo, hein, light, light, dragon. Le combo des vrais. Il essaie de s'en sortir là. Allez, les boules de poison. Voilà, il met en place le zoning. Ça, c'est bien trouvé. Par contre, ah dommage, il a pas puni, il avait bon chimie. Il avait un bon chimie, BMK rien, hein, c'est la base, hein, comme dans 3.3, BMK rien. Ah, il a pris l'embrouille devant derrière, ça s'est très bien trouvé. Ah, il rate le combo, Kampai, quel dommage. Et du coup, Shiraz là qui quand même subit le poison, prend la chope et voit sa vie mieux petit à petit. Attention, oh là 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 là. Et ça chope, c'est le match de la chope, hein, alors que c'est des persos que je vous rappelle qui n'ont pas de chop spé. Mais c'est le match des chauffeurs. Allez, la boule de poison, le bagro. Il n'y a pas de dragon, évidemment, hein, sinon. À quoi ça sert de jouer Ryu si c'est pour faire des dragons? Et ça fait le premier point pour chez bon Kampai. Voilà. Voilà, voilà. Donc maintenant, le délire, qui va en deux, on ne sait pas. Voilà, parce qu'évidemment, tout est organisé à la frame pour montrer qu'on est des professionnels du défi. Et quand je demande qui va en deux, personne ne répond. Ketza est toujours sur le stream, sur le truc, donc bon, il y a un moment donné, on sait plus. Non, mais Ketza... Non, mais non, mais... voilà. Est-ce que je me lance? Est-ce que j'y vais sans l'accord de l'équipe? Est-ce que je me lance comme ça? Navos me répond pas. Est-ce qu'il y va en deux? Est-ce que j'y vais en deux? Il y a un moment donné, je prends la décision. Hein, c'est Navos, ça continue. C'est Navos, ça continue. Non mais moi je comprends plus rien. Qui s'est barré là? Code barre a quitté le salon. Ok.
Il faut que Kenza quitte le salon. Il faut que Kenza, voilà, faut y aller. Bon, alors là, du coup, c'est vraiment Navos qui y va. Et voilà. Non, mais finalement, c'est une grande confusion. On ne sait plus ce qui se passe. Tout ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, dans ce premier set, parce que je vous rappelle que c'est en 3 sets gagnants, et qu'on en est qu'au deuxième match du premier set. Donc, du coup, c'est le deuxième match. Et là, c'est Navos qui joue sur le compte de Navos. Donc là, normalement, on a rattrapé les choses. Comment voulez-vous prendre les choses au sérieux à un moment donné? Salut Kiji. Kiji, légende de 3.3. Kiji, BMK, rien, il connaît pas par exemple. Kiji, BMK, il confirme super. Voilà, alors balayette évidemment, hein, les balayettes c'est safe, donc on peut les spammer comme ça en gang d'ouverture. Mais c'est pas grave, c'est passé. Ce bas gros point qui est pas puni, je sais pas par contre du tout si si Fang pardon, a les moyens de punir le bas gros point, le stand gros point, far gros point de Claw. Et je dis n'importe quoi. En attendant, le pressing avait bien été trouvé dans le coin, mais Kampai qui arrive à s'échapper, bien joué, qui met gros point, qui confirme pas derrière. Les bouliek, ça va toucher. Bah, allez, Shop Spé. Ça va sauver du poison. Et le combo là qui est trouvé, c'est bien vu. La rose, et il peut pas tuer. L'overhead qui passera pas. Zéro de vital. Est-ce que Kampai peut le faire? Ouais, il met le poison, mais non, ça, ces boules là, c'était un peu. C'est un peu bizarre. Allez, ça c'est bien joué. Oh, bien joué, ça la petite feinte. Déjà d'entrée, la campagne qui subit précis dans le coin, c'est pas bon. Il prend ses balayettes. La décalage shop qui est bien trouvé. Ça part mal, allez, il arrive à s'échapper malheureusement, c'est puni. Voilà, la balayette qui est punie. Oh, crash counter, c'est pas confirme. Et balayette, hein, évidemment. Alors, et à un moment donné, quand c'est pas un combat de shop, ça a l'air d'être des combats de balayettes. Mais rassurez-vous, tout va bien. Oh, ça c'est bien vu. Ça, par contre, cette petite feinte de je vais te choper, mais en fait, non. Finalement, je mets la griffe. Pour te baiser la gueule, crush counter, KO, bien joué, light. Et Navos, il y a un moment donné qui remet un peu de sérieux dans ce défi. Là, je pense que les choses sont rentrées dans l'ordre. Bon, il y a eu quelques glissades un peu, voilà. Mais c'est comme les dashs avant dragon. Si ça passe, on dit que c'est bien vu, que c'est bien joué, que le gars a un main game de fou. Si c'est dans la garde, on dit mais c'est qu'un putain de gros sac qui fait des trucs pas safe. Là c'est passé, donc on va rien dire. Donc Navos se met en pré, Kenza est toujours là. Hein, Et c'est au tour de Flash D. C'est au tour de Flash D de passer. En tout cas, vous êtes, et mine de rien, parce que vous êtes un petit nombre sympathique, une petite vingtaine à regarder. C'est cool, surtout avec une organisation aussi irréprochable, être encore au moins 20, c'est beau. Merci à vous. Alors soit, il y en a, c'est que vous avez que ça à branler. Soit c'est que vous êtes des gars, des vrais gars quoi. Des gars qui connaissent les ambiances à l'ancienne. Les trucs du live PS2, hein. Où fallait t'acheter l'adaptateur modem qui coûtait 60 boules. T'avais ta connexion 128K de merde. Et en vrai, si tu voulais jouer à 3.3, le temps que tu penses le dragon, il fallait l'avoir fait la veille. C'était un peu ça le délire. Bon, Flash D qui joue Ken, on va voir ce que ça donne. Allez, gros point d'entrée, l'anti-air qui est pas passé, la petite boule comme ça, bien punie. Ah mais c'est en fait, je vous l'ai pas dit, mais moi je joue pas, je fais pas le troisième. C'est Navos qui fait le troisième, et il y a un striker caché. Oh là, ce petit dragon dans le vent, punish max, ouais, oh, ça décale, la shop spé, ça reset. Là, il a voulu un peu trop me coupiniser. Pourquoi pas, EX Flying EX. Allez, ça c'est bien joué les Mitty, là c'est ces petits frame trap. Tu crois que tu peux taper mais tu peux pas. Ouais, la petite rose comme ça. Oh là là, il y a des décalage shop. Bon. Attention, Navos. Euh...
Navos, il a taffé. Navos, il a... Klo, il a taffé les setups. Bon, il lui manque un petit peu de spontanéité, justement, dans le jeu. Moi, je trouve que c'est bien... C'est bien et pas bien ce qu'il fait, parce que dans le sens où... Il a clairement taffé Klo depuis qu'il est sorti. Il a été dans la salle de l'esprit du temps, il taffait les trucs, il avait la frame data à côté. Le gars, il connaît toute la frame data, ça c'est bien joué. Par contre, ce petit confirme de super là, de la part de Flash D, qui est excellemment bien trouvé. Ouais, c'est un 3v3 qui dit, ça devait être un 4v4 à la base, mais c'est parti un peu en live. Finalement, c'est du 3v3, sauf que notre troisième joueur est aussi chez, chez Navos. Donc en fait, ils sont deux sur le compte de Navos, du coup. Il y a un Ryu, Shiraz qui joue Ryu, et Navos qui joue Klo. Voilà. Mais Shiraz qui joue Ryu joue sur le compte de Navos. Zigfou, non, pas du tout. Je ne compte pas postuler sur Twitch. Donc voilà. Bon, finalement, Navos qui a l'air de... Navos qui a l'air de gérer, hein. Moi ça me va. Ça me va bien. Et donc il reste le dernier samouraï, comme on dit. Qui est le dernier guerrier? C'est Ozrisan que je ne connais pas. Je vous avoue qu'à part Kanpai, je ne connais pas du tout. Je crois qu'Ozrisan, je l'ai déjà joué en Ranked et que j'ai pas kiffé. Allez, donc c'est parti, il y a 2-1 dans ce premier set, hein. 2-1 dans ce premier set. 2-1 pour nous les PH. Il entame toujours avec un petit gros point. Je pense que c'est pour tester, ça c'était très bien vu le petit concept. Par contre, comme vous pouvez le constater, Navos n'a toujours pas trouvé apparemment sa couleur officielle vu qu'il change entre chaque match. Attendant, les entames sont bien trouvées. Oh là 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 là, mais je lui fais un carnage. Oh là, dommage le combo qui est raté. Quel dommage ce petit combo raté, mais il prend le premier round. Bon, attendant, Navos a l'air parti pour un perfect. Là, je tente de lire deux phrases ennemies sur un chat. Allez, ça c'est bien vu. Ah, c'est dommage, il confirme pas Ozrisan. Et c'est dommage parce qu'il aurait pu faire un comeback, mais n'empêche que Navos a strike, ce qui fait un 7-0 pour les PHX. Voilà. Voilà, voilà. Donc 1-0 PHX, finalement on y est arrivé, grâce à un joli petit strike de Navos. Donc j'espère que... Voilà, ne partez pas, hein, ça va s'enchaîner. Si vous êtes toujours là, faites du bruit. Ah, alors ça se plaint de lag, hein. Je change les règles, la connexion est lente. Beau combat, frappe à dingue, la connexion est lente.
Et en effet, rien ne va plus. Bon, je passe premier, hein, voilà. Bon, allez, on va essayer de faire quelque chose, quoi. Voilà, Neo Arcadia, Team Phoenix, guac.fr omnislash. Parce que j'ai totalement les couleurs du guac.fr, hein. Les couleurs. Déjà c'est le costume où je suis en short. Et en plus, je suis en rose et vert. Donc c'est officiellement guac.fr. Allez, il a sauté. Il a sauté le terre. Alors ça lag, hein. Ça lag évidemment. Ah le bâtard. Ah le boitard. Ah ça lag, hein. Ça lag vénère. Wouah, le gars, oh, double décalage. Oh putain. Bon. Voilà. Et voilà. Oh, ce qu'il y a à un moment donné, on va se faire respecter. On va se faire respecter parce que là, ça va plus. On va essayer de jouer calme. Sérieux là? Ça confirme pas la con Saras. Mais non, mais ça lag, le Mitty ta mère. Oh là 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 là, le Mitty Saras quoi.
Oh là là là, c'est un scandale. Ah, vous êtes témoin! Et ouais, il y a un stream qui le prouve. Vous avez bien vu les rollbacks, tout ça, quoi. Non, mais ça a tellement rollback quoi, fait chier. Fait chier parce que ce Mitty là, il aurait jamais dû rater comme ça. Stand MP comme ça qui foire, c'est à cause du rollback, hein. Normalement, il aurait jamais pu me choper. Au contraire, justement, comme il a fait chop, ça aurait dû toucher counter. Je faisais BAM, stand MP, BAMP, je chope spé, et voilà. Enfin, avant MP, et voilà. Bon bref, on est reparti du coup. Bon, Shiraz apparemment se fait bourrer. Bon allez, on est reparti. Ah ça c'est dommage, c'était bien tenté ce petit chimie avec saut vertical. Ouais, décalage light light chop, hein, on appelle ça une omnislasherie à Toulouse. Hein. Ça c'est ça se punit pas, non faut pas chercher à punir ça, cette IX charge n'est pas punissable. Allez, le jeu de boule, ouais ça passe, hein, attends, le jeu de boule passe tranquillement. Il a arrêté la boule au bon moment, c'est-à-dire dans la glissade. Voilà, évidemment, si tu mets pas de dragon. Donc, ça a l'air assez serré, ouais, pour l'instant. Ouais, mais il y a un moment donné, Shiraz, il saute trop. Il saute beaucoup trop, alors de 1 il saute trop et de 2 il se fait trop sauter dessus. Là, 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 pourquoi il saute? Et là, la punition. Et là, super! La super! Il a raté la super, le con! C'était dangereux ce saut, ça se punit, putain de merde! Prends pas le risque, fais pas de boule, il se cover tranquillou. Tu gagnes au time over, Shiraz. Fais pas le con. Le dragon, il a raté le. Il met pas le dragon. Et pourquoi il chope pas? Ah putain, mais Shiraz. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Il restait 3 secondes. Il y avait juste, je sais pas, fallait déjà mettre un dragon. C'était garanti qu'il allait sauter. Oh là 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 là. Ça lag sur le stream. Oh putain, moi non mais là je peux plus. Là je peux plus rien faire. Si ça lag ici les gars, moi je peux plus rien faire.
À part redémarrer. Le stream lag là vraiment. Bon, je redémarre le stream, moi, attendant. Hein. Le temps qu'il se décide.